Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après plus d'un mois d'absence de Vinciane, je prépare une vidéo où je vous explique pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Mais en fait, il y en a pas mal d'entre vous qui sont au courant pourquoi. J'ai un peu parlé sur les réseaux sociaux pourquoi j'étais absente. Du coup, écoutez, je vous prépare une petite story time pour très bientôt. Du coup, dites-moi en vrai si ça vous intéresse de savoir pourquoi et tout. Mais en vrai, je pense que je vais la faire. Du coup, aujourd'hui, pourquoi on se retrouve? Écoutez, c'est bientôt Halloween et j'ai envie de vous faire plein de vidéos cette semaine sur le thème d'Halloween. Donc ça va pas du tout sortir dimanche. Ça va sortir tout au long de la semaine. Du coup, là, on part direction Lidl parce que ma mère, elle m'a dit qu'il y avait pas mal de déco. Du coup, c'est parti. Avant que la vidéo commence et que je vous laisse avec la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Du coup, allez-y, on me donne de la force. Likez cette vidéo, partagez. Et puis, bah, c'est parti! Résultat des courses, bah en fait vous avez vu la vidéo juste d'avant, j'ai trouvé plein de trucs, mais pas du tout au Lidl parce qu'en fait il n'y avait plus rien. Du coup on est allé à la foire fouille, donc j'ai pris pas mal de choses. Du coup, on a pris des petits insectes comme ça. De toute façon, tout ça, je vais installer. Après, je vous montrerai. Mais voilà, on a pris ça. On a pris une petite guirlande. Parce qu'en fait, on en avait une, mais elle ne fonctionne plus. Du coup, j'ai insisté pour qu'on en reprenne une. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est du DIY. Mais du coup, j'ai quand même pris une petite citrouille. Et avec à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite lumière. Donc bon, là, il n'y a pas de pile encore. On a pris des petites serviettes oranges. Je vous expliquerai plus tard à quoi elles vont servir. Et on a pris des petites LED, une blanche, une jaune. Je vous expliquerai aussi un peu plus tard à quoi ça va servir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des piles partout dans les trucs où il en faut. Et puis, bah, on se retrouvera un tout petit peu plus tard pour que je vous explique ce qu'on va faire et tout. Les DIY, j'en ai prévu pas mal, mais il y en a pas mal. C'est comme ci, comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner. Du coup, c'est parti. Bon, voilà, je suis de retour. Écoutez, j'ai préparé tout ce qu'il me faut. Donc la première réalisation que je vais essayer du coup de réaliser, c'est cette image. Je vais vous la mettre ici. Voilà ce que je vais essayer de réaliser. Donc je vais vous montrer. J'ai fait sur un petit plateau, j'ai mis plein de bocaux que j'ai lavé et tout. Et pour cette réalisation, je vais utiliser, je pense, celui-là. Donc il est trop joli. Je sais pas si vous voyez. Je pense que ça va faire bien. Je vais utiliser ce gros et ensuite peut-être un tout petit vers la fin s'il me reste des insectes et tout à mettre. Donc en fait chez la foire fouille on a acheté des petits animaux en plastique, donc comme vous pouvez voir, une petite chauve-souris, un petit scarabée, une petite araignée comme ça. On a aussi une mouche, une fourmi et enfin on a un joli petit serpent. Voilà. Et donc ensuite, chez moi, je suis allée ramasser plein de petites branches comme ça. Et en fait, donc par exemple, là, je vais prendre un capuchon. Je vais la coller comme ça. Et ensuite, en fait, je viendrai fermer à la fin. Et par-dessus, par exemple, là, la première chose que je vais faire, je pense, c'est que je vais coller une araignée comme ça sur le bois. Ensuite, je fermerai. Je fermerai. Je poserai sur le sol et donc on aura la branche avec l'araignée par dessus. Et attention, j'espère en vrai vous comprenez bien ce que je suis en train de raconter. Enfin, l'élément final, on a acheté des toutes petites guirlandes, vous voyez comme ça, et on mettra à l'intérieur pour illuminer. Enfin bref, en vrai j'ai l'impression d'expliquer super mal. Du coup, bah, sans plus tarder, on va commencer. C'est parti! Donc évidemment, je vais vous mettre tout ça en accéléré. Je vais essayer de faire ça bien. Ma mère, elle m'a ramené de la glu, de la colle blanche et tout. Donc écoutez, c'est parti! People acting.
pas un. J'ai trouvé un objet magique, un pistolet à colle. Je ne savais pas du tout qu'on avait ça. Donc j'ai galéré avec mes petits bocaux à insectes. Mais ça y est, ma maman elle m'a aidée. Et du coup, j'ai pu tout coller. Et du coup, je vous montre tout de suite le résultat. Bon, du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Écoutez, je vais essayer de réaliser ça. Après moi j'ai que du orange, du coup on va essayer. Je vous mets tout de suite des accélérés et le résultat. Voilà, j'ai fini aujourd'hui les petites décorations d'Halloween. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a réalisé 3 choses aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ces petits DIY et tout. J'ai essayé de faire ça quand même avec des accélérés pour pas que ce soit trop long pour vous. Ça m'a pris toute l'après-midi. Du coup, j'espère que vous avez aimé. Mettez des gros likes et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt.